sommes toujours sur les lieux ce soir. Et regardez, Régent, c'est comme ça depuis le début de l'après-midi. Des dizaines et des dizaines d'amis qui se présentent. Je me fais réveiller un matin par mon téléphone. Tout ce que j'apprends, c'est par quelqu'un qui pleure. JB, Gab, puis Alex Jutra sont morts. Je pouvais pas croire que c'était eux autres qui étaient morts. C'est carrément la gang qui s'est séparée. Là. Lorsque j'ai été le reconnaître à l'hôpital, je n'avais jamais pleuré de ma vie. Là, j'en ai pleuré une choc. C'est un choc, là. C'est, tu vois ton gars sur une civière, et c'est vraiment un choc. À qui tu confies de ce temps-là, depuis qu'il est pas là? Je me confie plus vraiment. Non, je me confie plus vraiment. 3h15 de la nuit, le téléphone a sonné. C'était un policier qui était au bout de la ligne. Qui disait comme quoi que Michael avait eu un accident. Il était inconscient depuis l'accident. Là, aujourd'hui, on est là. Michael, il est dans un fauteuil roulant à regarder la TV à journal. Si on t'avait donné le choix de mourir ou d'être en vie, qu'est-ce que tu aurais choisi? Ben, j'aurais décidé de rester en vie, mais je pense que je suis déjà mort. Là. J'ai le mari de la gardienne au téléphone qui me dit « La petite est prise en dessous d'un char. » J'ai juste senti Bianca partir. C'est un coup de vent. C'est un coup de vent. Je me suis comme écrasée à la tête. C'est comme le pire appel que tu veux pas avoir dans ta vie. Tu penses pas à ça, tu penses pas que ça va arriver. C'est pas le fun de se lever le matin et se dire « Asti, j'ai tué quelqu'un. » C'est pas le fun de penser. Ça prend une seconde pour que la vie change. Dans l'auto, je me souviens plus, mais je me suis sûrement dit, me connaissant, un accident, moi, ça va juste aux autres.